Putain, elle va dire quoi, ma mère? Quand tu lui diras quoi? T'es enceinte de 6 mois ou que tu sais pas qui est le père? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est tout l'étage qui est contaminé là ou quoi? Ah mon Dieu! Quoi? Ça a bougé. Bah oui, c'est ce que font les bébés en général, oui. Et comment on peut être sûr que ce sont des bébés? Bah excusez-moi, mais bon, ça fait un an que je vous saoule parce que j'ai pas de mec, alors à moins de croire en l'Immaculée Conception, je suis quand même en droit de me demander ce que j'ai dans le ventre, non? Non, mais le mec que t'as croisé dans l'ascenseur avant-hier, je croyais que vous étiez fait une petite soirée en tête-à-tête. Oui, justement, je voulais t'en parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par quoi? Les deux filles à l'accueil du restaurant? Les deux filles qui dînaient à la table à côté de nous au restaurant? Ou celles qui attendaient le taxi à la sortie? Bon, vous pensez pas qu'on a plus intéressant à débattre, là? Hé, mais ce soir, c'est samedi soir! C'est le seul soir de la semaine où je peux sortir! Tu crois que je peux quand même aller en boîte? On va faire. C'est peut-être une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse collective. Bah je sais pas moi, ou alors des médicaments qu'on a pris. Attends, tu prends quoi toi comme médicament? De l'aspirine quand j'ai mal à la tête. Eh bah t'arrêtes tout de suite parce que c'est pas bon pour ton bébé. C'est pas mon bébé. Évite de dire ça à l'hôpital parce que sinon c'est pas à la maternité que tu vas te retrouver, c'est au service psychiatrique. Oh putain, elle veut dire quoi ma mère? Bon ok, on fait quoi? On prévient la police? Bonne idée! Hôpital psychiatrique. On leur dit qu'hier soir on était presque vierge et qu'aujourd'hui on est à deux doigts d'accoucher. Hôpital psychiatrique. Oh non, Sam! Qu'est-ce qu'il va dire quand il va me voir comme ça? Caro, ça fait bientôt un an que Sam t'a quitté. Mais justement, je perds toutes mes chances de récupérer. Mais au contraire, il t'a quitté parce qu'il voulait un enfant et pas toi. De lui? Il voulait un enfant de lui, pas un enfant d'un autre. Hôpital psychiatrique. Bon, très bien, on fait quoi alors? Bah pourquoi vous me regardez comme ça? Bah c'est toi la mère de famille nombreuse, non? Non. Vous foutez de moi ou quoi? Vous attendez quoi? Que je vous fasse un cours sur les derniers mois de grossesse? Et que je vous vante les bienfaits de l'allaitement? Merci, hein. Ok, je commencerai plutôt par les nausées matinales. C'est forcément un malentendu. Il est gros le malentendu quand même. Oh, merde, les mômes! Je reviens tout de suite, hein. C'est pas vrai, après la quatrième grossesse, je devrais m'habituer quand même. Hé, il me donne des coups de pied aussi. Je peux toucher. Je suis sûre que t'attendais jumeaux. Oh merde, j'ai encore loupé un truc. Viens, on fait un concours de ventre. Alex, allume la télé. Préhension totale qui s'est emparée du peuple français aujourd'hui face à des événements inexplicables. En effet, le programme avait été tenu secret. Le gouvernement vient d'en annoncer la réussite complète. Ce matin, la majorité des jeunes femmes de ce pays se sont... réveillées enceintes d'au moins 6 mois. Enculé! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Nos cornes... Veuillez nous excuser pour cette interruption indépendante de notre volonté. À la demande du président de la République, le ministre de la Santé et de la Recherche, sous la tutelle du ministère de l'Économie, a été chargé de régler le problème du déficit de la sécurité sociale. En outre, les retraites n'étant plus financées, en raison du vieillissement de la population et du succès des lois supprimant l'immigration, la France se trouve aujourd'hui dans l'impasse. Heureusement, nos chercheurs ont découvert un gène de grossesse spontanée. Le gouvernement a donné son accord pour qu'il soit incorporé à tous les produits agroalimentaires. Ainsi, les femmes donneront naissance dans les 3 mois à des millions d'enfants qui remplaceront les cotisants dans les 20 ans à venir.
Dans un communiqué, le ministère nous assure qu'une allocation premier enfant va être accordée. Ah, non, non. Elle est ménopausée, ta mère? On me dit que non. Nous resterons en direct, bien sûr, tout au long de la journée pour recueillir vos témoignages. Nous recevrons également à 13h le ministre de l'économie qui, je cite, se félicite de ce succès éclatant. De nombreux intervenants donc pour réagir à cette situation sans précédent. Tout de suite, nous retrouvons un de nos correspondants au ministère de la Recherche pour plus d'explications sur la découverte et le fonctionnement de ce gène.